Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Sekiro Shadow Die Twice. Nous sommes donc au Mont Kongo pour le temple Senpo. Nous allons donc voir voilà, où cela nous mène, parce qu'on avait une petite voix qui nous avertissait que c'était super dangereux et tout. Par contre, on risque... Enfin, d'après un abonné qui est venu m'avertir que j'allais beaucoup trop vite dans les branches de l'histoire et que j'aurais dû continuer au château d'Ashina, vers le château d'Ashina, parce que là, apparemment, au bout d'un moment, je vais me retrouver coincé. Donc, je vais pouvoir aller jusqu'au temple, mais une fois au temple, je vais me retrouver coincé car il y aura un PNJ donc qui nous parlera. Et il faudra donc que je retourne au château pour battre un boss et revenir après. Qu'il y ait à la place de ce PNJ une petite cloche posée sur une table devant l'hôtel. On verra bien. Mais je vais pouvoir faire un mini-boss, deux mini-boss avant, d'après ces infos. Donc je le remercie déjà pour l'info, c'est gentil de sa part. Et bah, au pire, on retournera au château après avoir fait les deux mini-boss dont il m'a parlé et on reviendra ici quand j'aurai donc battu le boss du château d'Ashina pour continuer le temple, ce n'est pas un souci. Donc on va voir déjà tout ce qu'on peut faire ici maintenant qu'on est sur place. Ce serait dommage de pas en profiter, j'ai envie de dire. Hop, il y a un mec là-bas. Et surtout, n'hésitez pas, hein. Si vous avez ce genre d'infos, ou que vous voulez venir parler un peu, ou discuter des jeux, n'hésitez pas à faire comme il a fait, à m'envoyer un message. Il n'y a pas de souci, je répondrai à chaque fois. Je réponds tout le temps aux messages, parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que la communication avec sa communauté. Bon, après, on n'est pas beaucoup non plus, on est une petite vingtaine, mais c'est un petit début. Et peu importe le nombre que l'on sera, même si on est amené à évoluer avec plus de personnes dans la communauté ou moins, je répondrai tout le temps aux messages que vous m'enverrez. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, encore une fois, je remercie cet abonné de l'info et je vous invite à en faire de même, si vous voulez envoyer des messages ou même collaborer sur une vidéo, pourquoi pas aussi. Parce que peut-être que parmi vous, il y a des youtubeurs qui commencent tout comme moi et qui se disent que peut-être une collaboration pourrait être sympa. Ben, n'hésitez pas, je ne suis pas du tout fermé à l'idée, bien au contraire. Après tout, nous sommes là tous pour la même chose, prendre du plaisir en jouant et ne pas se prendre la tête. De toute façon, je l'ai toujours dit, hein, le jour où je ne prendrai plus de plaisir en faisant des vidéos, j'arrêterai tout simplement. Peu importe le nombre de personnes qu'on sera dans la communauté, pour moi, le plus important, c'est de vous faire plaisir et de me faire plaisir aussi. Les deux sont indissociables pour pouvoir faire de bonnes vidéos. Même si je suis conscient que là, ça ne peut pas, enfin, c'est pas que ça ne peut pas être parfait, ça pourrait être parfait, mais que j'ai encore des choses à apprendre sur la qualité des vidéos que je vous fais. Oh!
mal à toi. Non, mais... agressif lui. Non mais... sont nombreux. On va voir si on peut passer par ici. Ouais. Ouais, ils sont nombreux aussi. Hop. Ah. Ah non, mais non. Je croyais que j'avais pas... Je pensais que j'avais pas restauré ma vie, j'ai pris la boulette pour voir rien. Comme un imbécile. Hop là. Là, je l'avais vu au loin qu'on pouvait monter là. Ça m'arrange, ça va m'éviter de me battre avec eux pour rien. C'est... Mine de rien, ils ont l'air assez agressifs quand même. Je sais pas ce que c'est que cette espèce de petit cafard là, ou petit cancro là. Mais il y a l'air d'y en avoir pas mal. Je vais utiliser une étoile sur ça. Enfin, shuriken. On va essayer de vous prendre un par un quand même. C'est à ce palais quand même de rien. Ouf, oui, effectivement. Ouais, ça a été. Ils sont moins forts avec les lances apparemment. Non, ça va. Enfin, ça va. Ils étaient tout seuls, quoi. Ça va pas, non. Aïe. Bien sûr, ça a réveillé les autres. Thank you.
Enfin voilà, ces trois-là, c'est fait déjà. Donc il reste le taureau. De prendre par derrière comme ça. Voilà. Perfect. Ça c'est fait. Ah, une graine, ça c'est simple. Quand on verra Damema. On pourra lui demander de nous rajouter une gourde. Hibigaki wa no 2つ aru zo e. 1つ wa namagaki, 1つ wa hoshigaki. 8 ja. Namagaki wa 8 ja. Kake koete ana kuguri namagaki moide kure yoza. Ae, komari goto kai? Shikaraba okome ja zoi. Okome ja. Komari goto okome o megu. Okome ochi no miko sama no. D'accord. Il y aurait plusieurs serpents. Ah, bon. Quand même pas. On verra bien. On a crevé l'œil d'un serpent déjà il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas si elle parle de celui-ci. Ou s'il y en a un mot. Du coup. On va aller par là. Bien mettre là. Peut-être que je pensais dépenser les points de compétences aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, il y a ça. Oh, quelqu'un qui me voit. Ici aussi, là. Voilà, déjà un fait. Mal est passé. Et voilà. Eh ben. On a mis du fil à retordre quand même, cela.
Voilà. Ah bah des boulettes. Un petit bout de ça serait bien aussi. Là en face, c'est juste trop loin pour y aller d'ici. Ah, il y a une droite par là. Ah bah, il y a un petit Bouddha. Se reposer, oui. On va aller voir Damema vite fait pour la graine, si ça peut aider. Une gourde en plus, ça fait pas de mal, j'ai envie de dire. Okami dono. Donnez la graine. Oh, bah si. Voilà. Deva. Mata. Bah si je n'avais rien pour toi. Omae-sa. Et je peux améliorer les pétards. Ça, je l'avais fait déjà. On va améliorer les pétards. Voilà. Devana. Mata. Sache que l'aïe n'a la cachette à l'eau. Je vais d'ailleurs les mettre à la place de la lance. Pétard à ressort. Ça, c'est fait. Donc on va retourner où on en était. Non, avant on va regarder, c'est vrai. Les compétences. Du coup. Là, on l'a. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien aussi. Voilà. Et ça, c'est 6 points de compétence charge de l'ombre. J'imagine que c'est une technique super pétée puisqu'elle est à la fin de l'arbre, donc ça peut être sympa de l'avoir. Donc je pense qu'on va se concentrer sur l'acquisition de celle-ci pour la prochaine fois. Du coup, voyager. On en était au temple Senku, ici.
du coup. On va déjà aller voir par là. Alors, attention de ne pas tomber, bien sûr. Non, ça c'était pas une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on a devant? Ça non, je la garde. Ça, je te les vends. Les petites bourses, non, je préfère les garder comme ça, parce qu'au moins quand je meurs, je les perds pas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut t'acheter? En avoir une d'avance, ça peut être bien. Les sucres. Rio 5 couleurs, j'ai pas assez. Des petites bourses. Ah, une grosse bourse, carrément. Morceau de magnétite. Ok. Bon, c'est bon à savoir. J'ai bien envie de lui prendre une grosse bourse. Comme ça, si je meurs, je perds pas l'argent que j'ai en stock. Voilà. On va la jouer fine. Je préfère la jouer intelligemment et prendre des bourses, même si elles coûtent un peu plus cher que ce qu'elles contiennent. Comme ça, au moins, si je meurs, je ne perds pas l'argent. Et je les utilise que quand j'en ai besoin, comme ça. Hop, on va remonter là. Coup de hache, lui. Hop, on monte. Voilà. Ok. Du coup. On va aller voir ce qu'il y a par là. Oh, les moulins à vent, ils sont jolis. J'aime bien. Blanc et rouge comme ça, c'est sympa. Ah, il y a un objet. Moulin à vent, rouge et blanc. Du coup, bon, on va aller voir par là. Ah, bonjour. Waga musuku no tame, sono katana, oite yuki, seki, oruka nari. Oh, tu fais mal. Très mal.
marche un peu ça. Non, ça marche pas. J'ai plus de gourde en plus. Il a pas l'air de récupérer de posture par contre, donc ça c'est sympa. Mais j'ai plus beaucoup de vie non plus. Hop là. Allez, viens là. Ah, trop tard. J'étais trop gourmand sur ce coup-là. Hop, on s'éloigne du coin pour pas se prendre, pour pas se renfermer. Sérieusement. Ah mais ils sont sérieux là. Putain, c'était chaud. On va donner le fil à retordre, celui-là. Ah bah, ça tombe bien. Il y a un Bouddha ici. Et 4 perles de chapelet, je vais pouvoir augmenter du coup. Voilà. Alors. Bah, il y a un objet là-bas déjà. Porcelaine, youpi. Youpi, oh, des cartes. Ça, je les veux bien. Ah, je l'ai loupé.
Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut remonter. Voilà. Toi, tu m'as vu, toi aussi. Ok. Ah oui, vous avez des bombes maintenant. Voilà, ça va être chaud. T'es sérieux avec tes bombes, toi? Eh ben... On se fait peut-être haut pour descendre, hein. Comme ça. Ouais, non. À mon avis, ça fait où? Quoi, ce bruit? D'accord. Décidément. Ils sont énervés dans le coin. Yeah.
Ah, j'aurais dû sauter. C'est fait. On est petit maintenant. Mais il y a encore quelque chose. Bah ici on a tout pris apparemment. Ok, donc là c'est bon. Bon, voyons voir où mène le chemin. Bon, les lézards on s'en moque. Ah, je suis revenu en arrière. Je l'avais pas vu lui. Si on peut éviter de mourir ici, ça peut être bien. Et là, il y a encore un gros là. Il y a tout le monde dedans. Ça va, ils ont pas suivi. Oh, bonjour.
puis il y en a beaucoup en plus. Excusez-moi, je cours, mais je cherche un Bouddha au cas où je viendrai à mourir. Ah, parfait. Voilà. C'est exactement ce qu'on m'avait dit, en fait. On va l'écouter. Bon, on sera pas venu pour rien. On aura au moins eu ça. Wakata. Donc, comme je vous disais, il y a un boss à tuer au château avant de venir, logiquement. Et lui, après, n'est pas là. Et sur cette table-là, il y a une petite clochette à prendre à la place de lui parler puisqu'il est pas là. Et ça nous emmène au boss de la zone, tout simplement. Mais finalement, je regrette pas de l'avoir fait quand même, parce que déjà, il nous a donné quelque chose, a donné à l'enfant sacré. Et en plus, comme ça, la prochaine fois, j'aurai juste à me TP ici et à prendre la clochette, car comme on a déjà fait la zone, ce sera plus pratique. Donc écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Et la prochaine fois, on fera sûrement le boss du château d'Ashina pour pouvoir après venir faire ce boss-là. Du coup, on risque d'enchaîner deux boss. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.